Dans cette vidéo, on va regarder la hiérarchie au sein d'un troupeau de quatre juments. Donc Nelly Mère, Nelly, la jument à gauche. Au fond, Nevada, une jument espagnole qui est la maman de Maxima. Elle a donné naissance à Maxima il y a environ 1 an et demi. Et puis Princesse à droite, qui a été la nounou de Max. En fait, 1 mois avant le sevrage, on a mis Princesse avec Nevada et sa pouliche. Et après le sevrage, Nevada est allée au pré avec Nelly. Il y a 15 jours, on a remis ces quatre juments ensemble. Au début, Nevada et Nelly se tenaient à côté et Nevada chassait sa pouliche. Nelly et Princesse avaient été au pré ensemble il y a très longtemps et du coup, elles cherchaient à se rapprocher. Donc, actuellement, elles sont toutes ensemble et Nevada a tendance à se tenir plutôt à l'écart du reste du groupe. Pour regarder la hiérarchie, le premier essai, tout le monde va être ensemble et on va mettre un seau de nourriture. Donc je le remets un peu plus en arrière pour donner une chance à Nelly et on voit que c'est Princesse qui a accès, que Princesse et la pouliche mangent ensemble. Nelly fait un petit peu des petits essais là pour essayer de récupérer le seau. Alors Maxima a les oreilles bien en arrière. Et Nelly n'essaye pas trop. On voit que c'est calme, hein, c'est un troupeau qui se connaît depuis au moins. Enfin, toutes les juments se connaissent, et puis là, ça fait 1 semaine qu'elles sont ensemble. Donc la pouliche mange, Nelly n'arrive pas à manger, ou en tout cas, Nelly va jusqu'au bout. Et Princesse, quand elle a envie, mange aussi. Donc c'est pas évident de donner la relation de hiérarchie entre Princesse et Maxime. Donc du coup, on va changer la configuration. Vous voyez qu'il y a une clôture devant, donc on peut mettre un cheval. Enfin, je peux isoler les chevaux derrière cette clôture. Et donc deuxième essai, on enlève Princesse, qui est la grande dominante de tout ce petit troupeau. Donc il reste Nelly et Max, il y a Nevada qui est au fond et qui ne fait pas grand-chose. Là je mets un seau, il y a la pouliche qui y va direct et qui se fait virer par Nelly. Donc la pouliche vient me chercher, elle essaye d'y retourner. Elle se refait dégager. Et moi la maligne quand il n'y a pas sa tatie. Là, on voit, c'est stable, hein. Il y a Nelly qui mange et puis Max et Nevada qui veillent à leurs occupations. On a l'impression que Max, ce qu'elle a envie là, c'est de passer sous le fil pour rejoindre la vieille. Mais ce que j'ai pas dit, Princesse, c'est la vieille, elle a plus de 20 ans. Troisième essai, donc j'enlève Nelly et il reste Nevada, donc qui est la mère de Maxima. Mais depuis qu'on les a remises en troupeau ensemble, elles ont été séparées pendant 2 mois après le sevrage, elle ne fait que virer sa fille. Et là, juste avant, dans la vidéo, on ne voit pas, mais quand j'amenais le seau, j'avais la pouliche dans les bras. Et à partir du moment où il y a Max, la pouliche, elle essaye même pas, elle reste à distance du seau. On pourrait presque croire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors évidemment, je pense que cette vidéo elle est possible parce qu'on a beaucoup de place et puis que les juments se connaissent bien et on sait enfin, la hiérarchie est bien établie et il n'y a jamais de coups qui se donnent à l'heure de la nourriture actuellement. Là, on voit tout le petit monde qui réarrive de la gauche. Princesse qui va vers Nevada. Nevada qui s'éloigne. Brancher. Princesse et Max qui font le saut, Nelly qui est pas loin. Ils vont se rendre compte qu'il reste plus rien. Nelly chasse un peu Nevada pour aller manger à sa place.
Princesse Vive. Puis Max. Max me passe devant, je vais voir.